Alors bonjour, je m'appelle Mokuta Eric, j'ai 22 ans et j'habite à Saint-Denis. Je m'occupe d'une association qui s'appelle le Réunion Université Club, c'est le RUC. Au sein de cette association, je suis administrateur futsal et aussi chargé de communication. Parallèlement, je suis en formation en BTS en alternance au lycée Le Comte de Lille. Ça fait 4 ans que je suis au sein du RUC. Ce qui est cool avec cette association, c'est que si on s'inscrit, on a le droit de pratiquer tous les sports. Je me suis fait des amis et après on a repris le créneau futsal, on est devenu encadrant. Et depuis peu, je suis administrateur futsal. Et de par ma formation en communication, j'ai décidé de m'investir beaucoup plus dans le RUC et de donner un coup de main au niveau de la communication. Humainement, ce que ça m'apporte, c'est vraiment m'ouvrir vers les autres, parler aux autres, aller au contact. C'est vraiment enlever ma timidité parce qu'à la base, je suis quelqu'un de très timide. Et donc, ça m'a permis de m'ouvrir aux autres. Bonjour, je m'appelle Serena, j'ai 22 ans. Je suis étudiante en anglais et je suis également présidente du Réunion Université Club pour cette année 2012-2013. Alors en fait, c'est une bonne chose parce que je me sens plus complète, j'ai plus confiance en moi et également je rencontre plein de gens. Et c'est ce que j'aime en fait, c'est avoir du contact avec les gens, le relationnel, j'aime bien ça. Faut savoir que j'ai mes cours à gérer, j'ai également mon travail à gérer et l'association, donc ça demande quand même pas mal de temps. Et j'avoue que c'est parfois difficile à concilier. Saint-Denis, c'est une très belle ville, j'y habite depuis que je suis arrivée à La Réunion parce que je suis originaire de Maurice à la base, donc ça me plaît bien, il y a une bonne ambiance. La ville est quand même pas mal, donc y a quand même pas mal d'activités qui sont proposées, donc notamment le cabaret à choix, le marché de nuit. Je trouve qu'il y a quand même un peu de choses à faire, parce que c'est pas suffisant pour nous étudiants. Si on va à Saint-Denis vers 22h, 1h du matin, il n'y aura pas forcément des trucs ouverts pour pouvoir manger. C'est pas une ville suffisamment nocturne, on va dire. Pour la jeunesse, moi je dirais que pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir arriver à de belles choses, il faudrait bouger et pas uniquement compter sur les acquis de la société. Donc il faudrait vraiment bouger, quoi. Pour pouvoir faire tout ça, il faut simplement de la motivation et de la bonne volonté. Donc si on arrive à trouver une bonne motivation, on s'y accroche et tout vient de là en fait. Le travail entre nous, ça se passe tranquille. On est à 7 environ dans le bureau. Il y a Serena, la présidente, elle est tout le temps en retard. N'importe quoi. Mais ça va, on s'entend bien. Il y a beaucoup de clash aussi, par contre, pendant les réunions, pour se mettre d'accord. Ça, c'est un peu normal, parce que tout le monde n'a pas les mêmes opinions et on veut absolument tous avoir raison, donc ça, c'est un peu normal. En fait, ça nous apprend à plus travailler en équipe, par exemple, à écouter les revendications de l'un, de l'autre, parce qu'on est souvent pas d'accord entre nous. Ça c'est sûr, et en plus ça nous fait sortir beaucoup plus tard de nos réunions. Ouais, grave. Moi j'aimerais qu'on retienne quand même que il y a eu la première présidente, donc en 10 ans il y a eu une première fille à la présidence du RUC, et également qu'on a fait du bon boulot, donc on s'est démené quand même comme des fous, on a donné le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir produire de bonnes choses pour les étudiants, parce qu'on sait qu'ils attendent quand même pas mal de choses de nous, donc ce qu'on aimerait qu'ils gardent, c'est qu'on s'est donné quand même à fond pour eux, quoi. Et moi c'est plus en amont, je trouve, que je veux laisser une trace, c'est-à-dire tout le projet qu'on a mené, si on peut le refaire l'année prochaine, que l'équipe qui sera là en place l'année prochaine garde nos projets, garde notre état d'esprit. Garde surtout notre motivation. Ouais, notre motivation aussi. Et surtout au niveau du sport universitaire, parce qu'on veut emmener notre équipe loin. La ville de Saint-Denis vous a présenté En l'air.